Alors, le problème des maisons fissurées, c'est un problème qui revient par rapport à une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle qui est différente des autres catastrophes naturelles qui sont comme les inondations ou les tremblements de terre. Ce sont des catastrophes naturelles qui sont visibles, qui attirent de l'émotion et de la mobilisation. Quand on voit le gouvernement se dépêcher pour reconnaître l'état de catastrophe naturelle et appeler les assurances à indemniser les sinistrés, bah, on aimerait bien qu'ils fassent la même chose par rapport aux maisons fissurées. Nous, on demande que cette catastrophe naturelle soit prise vraiment au sérieux et que le gouvernement indemnise, enfin, reconnaisse cette catastrophe naturelle et indemnise les sinistrés. Le problème de la reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse, ça obéit à une procédure compliquée selon la circulaire du 10 mai 2019. Et cette circulaire, elle fixe les critères de reconnaissance. Et dans ces critères-là, il y a beaucoup de flou. Et surtout, ce sont des critères qui ne sont pas adaptés aux maisons fissurées. Et par conséquent, nous, ce qu'on demande, c'est que ces critères soient redéfinis d'une manière adaptée aux maisons fissurées.